Look up in the sky! It's a bird! It's a plane! Nah, it's the motherfucking bird, Aha! Oh -oh! Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne pour TW 2016. C'est la quatrième et dernière semaine du mois de mars qui va nous amener à WrestleMania 9. Euh, donc voilà. Euh, Market United a signé avec nous Tito Santana et s'est fait offrir une offre de 4 ans par la WCW. Donc, je vais pas qu le concurrencer. On va le laisser partir. Tito, on va le remercier pour ses précieux services. On va se retourner un petit peu vers la jeunesse, un petit peu plus. Donc, c'est dans les plans. On va revoir la carte de WrestleMania à la fin de la semaine. Euh, pour l'instant, on va avancer aux Superstars. Parce qu'on a hâte d'aller faire WrestleMania, là. Un incident avec le Berserker et Piper. Piper qui amène le Berserker devant le Wrestler's Court. Il a oublié de payer sa part au bar. Il devrait acheter les drinks pour tout le monde. Après le show. Et Slaughter va donner des trucs de psychologie à son protégé, Fatou. Mais ça ne marche pas. On est dans le Midwest cette fois-ci, au St. Louis Arena. On book ça. On revient avec les résultats. A tout de suite. Alright, on est prêt pour les superstars d'avant 18 000 personnes à St. Louis Arena. C'est pas un gros show, je vous le dis là. Parce qu'on n'a pas tous nos gros matchs. Les gens de nos gros matchs ne, euh, ne sont pas en action ce soir. Ils vont faire des promos. En pre-show, on a deux matchs Max Moon et Ricky Nelson contre Well Done, Et Well Done va l'emporter en 8-25, euh, 57. Un bon match de pre-show. Et deux secondes. Bon, ok, désolé pour ça. Ouais, c'est ça. Donc victoire de Well Done. 57. Et Samu va battre le Broken Brawler avec un diving at bat en 6-23. On ouvre le show avec Bret Hart et Hulk Hogan. Bret Hart et Hulk Hogan vont simplement parler du match de WrestleMania, du gros main event, de la grosse storyline depuis longtemps. Euh, les deux vont se donner la main, vont se souhaiter bonne chance pour le pay-per-view. Donc, euh, on va faire ça dans les règles de l'art. Bret Hart, Hulk Hogan. C'est deux faces, fait qu'on va avoir des pénalités pour ça, mais je. Écoute, c'est quand même le match. C'était le match à faire là, à WrestleMania 9 pour vrai. Donc 100% pour l'opener. Tank les matchs par la suite, Slaughter et Duggan contre le Barbare et Papa Schengel. Ça va être tous les matchs pas mal reliés au Battle Royal. Et euh, ça va être une victoire du Barbare qui va défaire Jim Doggan avec le Kick of Fear après que Harvey Whippleman ait interféré. Donc, va aller chercher un petit peu de momentum. Du côté des Heels, le Barbare l'emporte. 79 pour le match. Promo de la Perfect Combination qui vont parler des Ultimate Maniacs. C'est des maniacs là. Il y avait juste à pas nous, euh, nous tenter et puis nous donner notre title match avant. C'est de leur faute. De toute façon, on va aller les battre à WrestleMania, puis on va aller euh, affronter Money Inc. ou les Legion of Doom par la suite pour les titres par équipe. Ça donne un 100%. Bam, bam, Bigelow va affronter Matador. Il va être... Office game malheureusement. Mais là, vu qu'on sait que Tito va signer avec la WCW, ben, on va s'en servir pour euh, mettre nos guns over no un petit peu. Bam bam. Vol l'emporter clean contre Santana. Grosse victoire pour M. Bigelow en 12-21. Diving at bot. Bigelow améliore sa technique avec ça. Ça nous donne un 80. Barry Windham va faire une promo pour l'ex-Luger pour leur match à WrestleMania. Wyndham dit qu'il n'est pas venu ici pour niaiser. Il est venu ici pour continuer. Euh, sur sa carrière, et on semble oublier que Wyndham était là à WrestleMania 1. Il était, il était champion par équipe avec Mike Rotondo à WrestleMania 1, le US Express. Donc, Wyndham là, qui euh, est revenu pour euh, monter dans la carte pour aller chercher le championnat du monde. C'est ce qu'il veut. 90 pour Barry Wyndham, sa promo. On a un match de Ric Flair contre Leaf Cassidy. Continue de donner des matchs à Cassidy pour euh, l'améliorer. Cette fois-ci, il va affronter Ric Flair. Il va améliorer ses performances avec ça. Ric Flair va l'emporter avec un figure 4 en 7'27". Et Flair va prendre le mic pour parler du Hot Rod, Roddy Piper. Il va dire qu'à WrestleMania, Piper a voulu avoir son match. Mais Piper va avoir son match. Mais après ça, il ne pleure pas avec les résultats parce qu'il n'aimera pas trop ce qui va se passer. Ric Flair, 100% pour la promo. Des matchs, quatre gars qui seront dans le Battle Royale encore. Les New World Someone's contre la Miracle Violence Connection et le MVC va l'emporter en 10 minutes 16. Lorsque Steve Williams va aller faire le Someone Savage avec un backdrop driver. Par la suite, promo de Money Inc. qui vont parler de Legion of Doom. Ils vont dire c'est beau là, leur histoire qu'ils ont raconté la semaine passée. Leur petit conte de fées, mais malheureusement dans les films ou dans la vie. C'est plutôt dans la vie. Ça se termine pas comme dans les films, toujours avec quelque chose de bon. Donc euh, Legion of Doom vont voir qu'ils vont frapper un mur. Et le mur, il ben, s'appelle Money Inc. 100%. L'Undertaker va faire une promo et boy. Qu'est-ce que c'est ça? <laughs> Changer ça. Taker qui dit que Justice à WrestleMania va rest in peace dans son cercueil. Et ça va être terminé pour de bon pour Monsieur Justice. 99. Et l'Endertaker qui a l'air blanc, il a l'air blême, là. Rematch. Typhoon contre le Berserker. Rematch la semaine passée. Cette fois-ci, le Berserker va se faire disqualifier. Il va prendre la canne de Fuji. Il va commencer à attaquer Typhoon. Et il est Berserk. 77. On continue pour le Battle Royale. Big Bossman va faire une promo pour son match contre Jake Roberts. Bossman dit que Roberts, c'est la dernière étape avant le world title pour lui. C'est Jake the Snake Roberts. Et que Roberts, ben, il... pas de bonne main parce qu'il s'est fait sortir par le bossman dans le rumble. Mais écoute bien, c'était ça le but du match, hein Donc euh, Roberts, quand même, big bossman. 100%, je sais pas quoi dire. Notre tactique match par la suite, le main event de la soirée, imaginez-vous. Robert Gibson et Marty Jannetty vont faire équipe pour affronter les Nasty Boys. Et les Fates vont emporter l'union de Gibson et Jannetty lorsque Marty Jannetty va défendre Jerry Sacks avec un Rocker Dropper. Ça donne un 78. Et après le match... À peu près tout le monde du Royal, Royale, Andrea Giant, vont venir sur le ring. Gros brawl, ils vont tous essayer de s'éliminer un par un. Et on termine le show à 87, notre pire résultat. Mais c'était voulu. On voulait pas avoir nos gros, euh, nos gros lutteurs de WrestleMania dans les matchs. Steve Dahl qui relocate Tito Santana a signé un deal avec la WZW donc on lui souhaite bonne chance et al qui dit que Stephen Dunn ne connecte pas avec les fans donc on va perdre Tito Santana c'est correct on peut pas toutes les, toutes les avoir là pour faut, faut le laisser oh on a Jack Lanza qui a causé du heat backstage avec un rib sur le warrior et bien on va lui donner une amende Deux, ça se peut qu'on s'en débarque de toute façon. Et on va rester dans le Midwest. Et on va aller au Kansas City, Missouri, dans le Memorial Hall pour nos derby shows. On commence avec le All-American Wrestling, restez les nôtres. All right, on est prêt pour notre premier B-Show, les Power Twins contre Men On A Mission de notre développement. Et Men On A Mission vont apporter lorsque Mo va battre David Power avec un Diving Splash. On ouvre la carte principale avec Shawn Michaels qui va s'amener sur le ring, qui va commencer à se vanter et dire que c'est lui le future superstar. Tout le monde le sait, Owen Hart va arriver, va dire le contraire. Sean, c'est vrai que t'es un bon gars, il dit, mais ton ego, ton ego, t'es trop cocky. Pas, ça marche pas, ça, dans le monde de la lutte. C'est le monde vrai. Le monde. Euh, qui vont embrasser les bébés. Là. Tu sais, les white meat babyface qui sont populaires. Sean Michael dit, oh, when, tu vas apprendre, là. Mais pour l'instant, je vais te donner ta leçon à WrestleMania. Il dit, de toute façon, il dit dans ta famille, dit, tout le monde a du succès sauf toi. Fait que. Euh, J'ai pas trop peur. Donc on s'en va vers WrestleMania. Sean Michaels contre Owen Art. On a par la suite Virgil contre Rod Price. Et Rod Price va chercher une grosse victoire contre Virgil avec l'interférence de Jimmy Hart. Ça me donne un 63. Earthquake va faire une promo par rapport à son match de sumo contre Yokozuna. Il va dire Sumo ou match dans le ring. N'importe quoi. Earthquake, yeah game. De, contre Yoko. Ancien champion. 96. Tac des matchs par la suite des Killer Bees contre les Smoking Guns. Victoire des Killer Bees en 8 minutes 15 lorsque Brian Blair va défaire Bard Gun. On va avoir une promo de Crush et Tatanka qui vont parler du euh, Under the Giant Battle Royale. Ils vont dire que ça va être chacun pour soi, mais qu'ils vont être là pour vérifier leurs arrières. C'est toujours mieux d'avoir des alliés dans ces, dans ces situations-là. 75. Et le main event, on va avoir un long match. Jim Nider contre le Monty. Nilder l'emporte avec le Anvil Flattener. Et deux autres membres du Ball Royal qui s'affrontaient. 81 pour notre B-Show, c'est bon. On book notre dernier show de la semaine avant Mania. Et on revient avec les résultats. Ok, c'est notre dernier show de la semaine. 3500 personnes nous attendent au Memorial Hall. Jim Powers contre samu un pre-show. samu l'emporte. 52 pour samu 42 pour Jim Powers. On ouvre la carte principale avec le barbare et Papa Shengo qui vont s'amener, vont parler de leur victoire sur Duggan et Slaughter. Duggan et Slaughter vont s'amener, ça donne un gros 90, donc un segment là, pour encore une fois parler du Battle royal. 90. On va utiliser Men on a Mission dans un match euh, le régulier sur la main card contre Rough and Ready. Rough and Ready vont les battre facilement en 7-27. Typhoon va faire une promo par rapport au Ball Royal. On va parler de Bam Bam Bigelow. Il va dire qu'il veut euh, euh, rendre son idole, André the Giant, proud. Que ce soit un big man qui a cherché ça. Le plus gros bonhomme du euh, Ball Royal Typhoon. 86. Tom Brandy va affronter Yokozuna qui va l'emporter avec un Nerve Hold encore une fois. 61. Leave Cassidy contre JW Storm. Et Leave Cassidy va surprendre JW Storm avec un. Ça s'appelle un snowplow, mais en tout cas, Avec le snowplow. 56 pour le match. Donc, grosse victoire de Leave Cassidy. Promo par la suite de Gibson et Janetty qui vont parler du Battle royal Ils vont dire qu'ils ont bien aimé teamer ensemble. Et que, euh, ben écoute, euh, tant que euh, Ricky Morton ne revient pas, Janetty, ça va lui faire plaisir de faire équipe avec Robert Gibson. 83. Et on a le main event de la soirée. Crush et Tatanka vont battre les Colossal Kong. Ça donne 72, 71. On est prêt pour Mania. On va faire un tour de la carte complète dans la prochaine vidéo. Je pense qu'on va juste mettre fin aux vidéos là-dessus. Ça n'a pas été une grosse semaine. Mais c'est normal. Parce qu'on voulait garder toutes nos forces pour WrestleMania. Sherry Martel, son contrat se termine. Bien sûr mais je pense pas à la garder. Ouais, oh, date le menti. Le menti sera pas content, ça s'en va. Mais ouais, oh, non, je pense pas à la garder. On va voir. Ok, en tout cas, on met fin une vidéos là-dessus. Prochaine vidéo, c'est WrestleMania. C'est le gros vidéo, le gros show, le plus gros show de l'année. toute une carte. On va revoir ça. Lors du prochain vidéo. Merci beaucoup d'avoir été là et on se revoit pour la prochaine vidéo pour WrestleMania. Bonne journée tout le monde!